Zanmim, ou men ki yon problème photoshoot, sérigraphie, vidéo ak recording, pa bay tèt ou problème pou sa. VIP Production Haïti vini ak solution. Nan sa fè photo, sérigraphie, vidéo ak recording, eh bien, VIP Production Haïti se référence la. Oh oh, zyen pou kon fini. Sa pi bèl la, ou pou kon konnen. Li mete kanpe, yon media an li ki se VIP TV Network pou servi tout peyi ya. Rale telefòn nou, numéro se 33 56 53 30 31 39 94 50. Mi adresa, Delma 33, rue Rao Prolongé, numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là. Bonjour, bonsoir tout le monde et salutations à tous les étoiles. Même j'aime toujours dire, nous c'est étoiles. Donc, c'est important dans le moment de faire noir pour nous continuer à briller. C'est mission Calfou Réflexion contre la caillou. Toujours pour servir, c'est moi, Figaro France. Nous déjà parti pour une belle émission. Là, il y a un divide à la bagaille que nous allons parler. Mais juste avant de parler, nous prenons un coup de pause. La poule. Zanmim, ou men ki yon problème photoshoot, sérigraphie, vidéo ak recording, pa bay tèt ou problème pou sa. VIP Production Haïti vini ak solution. Nan sa fè photo, sérigraphie, vidéo ak recording, eh bien, VIP Production Haïti se référence la. Oh oh, zyen pou kon fini. Sa pi bèl la, ou pou kon konnen. Li mete kanpe, yon media an li ki se VIP TV Network pou servi tout peyi ya. Rale telefòn nou, numéro se 33 56 53 30 31 39 94 50. Mi adresa, Delma 33, rue Rao Prolongé, numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là. Nous tournons après pause là. M'a démarré l'émission avec un coup de plume qui c'est coup de plume qui sadique là, qui dit comme ça. Derrière chaque bon succès, toujours gagnons au soir plaisir, échec qui te vle barrer. C'est résistance avec détermination. Capable de faire différence là. Fait échec et tourner apprentissage si vous voulez aller loin. Donc encore bonjour bonsoir tout internaute via TV Network. C'est émission Calfou Réflexion. Dans émission aujourd'hui on a bien pour nous dividal bagay. Si vous pouvez aller chez vous, aller chez vous chita parce que on a bon pile bagay que nous va parler de yo, pas bagay que nous va parler de yo. Nous a bien dans rubrique en apprend, nous allons parler de bonne gouvernance, aménagement territoire avec yon tiralé sous un ensemble de points pour géopolitique surtout en Haïti. N'a bien pour nous parler de yon avec yon invité spécial qui c'est yon invité de marque Emanès Delga. Dans rubrique la VGO, n'a bien pour nous voir et dans la VGO sous image, n'a bien pour nous parler sous un pile ancien entreprise qui existait dans le temps, qui n'a pas existé qu'on y a en Haïti encore, n'a bien pour nous faire pour parler sous ça. Dans la rubrique SOS, n'a bien pour nous voir un bel reportage sous Green Stat. Nous avons ici là qui c'est bien Stat Silvio Cato. Donc, si vous pouvez aller chez vous, allez chez vous, chita, n'a pas tourné pour nous, pour te baou. Tout bel rubrique ça. Même j'aime souvent dire qu'on est pour ces étoiles, les moments fait noyau, barré ou fait pour continuer à briller. En comme on dit en Kounia, pour nous commencer avec la première rubrique là qui c'est bien la VGO sous image. On a regardé ensemble ancien entreprise ça qui existait dans le temps en Haïti qui va exister. Ciment d'Haïti, yon compagnie ciment qui existait depuis l'année 1950. C'est frère Lambert ak président Paul Magloire qui t'est arrivé mette campé compagnie ça qui c'est Ciment d'Haïti. Ciment d'Haïti t'est situé à 40 km de Port-au-Prince. Compagnie ça a une capacité initiale 100 000 sacs ciment par mois, qui t'a pas augmenté dans l'année 1973 à 300 000 sacs ciment chaque mois. Ciment d'Haïti t'a pas le campé service dans l'année 1992 parce que conditions yo pas très unies. Bagala te paraît plus difficile chaque jour plus.
Faut nous dit nous ciment d'Haïti t'a pral remplacer l'année 2000 plus précisément mars 2000 par Sina cimenterie nationale qui t'est arrivé camper par un groupe multinational qui t'est gain la donne gouverneur local le colombien caribéen groupe ak un groupe suisse Holder Bank et en novembre 2000 yo t'ap gal rive mete campé premier stock ciment Sina et yo t'ap gal commencé vendre l'autre pays recherche sa présentation Figaro France n'écoute plus ça dit là Asco c'est une usine sucrière qui t'est existé sorti l'année 1912 à 1987 dans pays d'Haïti c'était une usine états-unienne. C'est Haïtien American Soga Company qui te vin ak entreprise sa. Entreprise sa te gen plus passé 40 000 employés ak 300 500 salariés qui tap travail pendant toute journée. C'est bien dommage, compagnie sa tap pral fermer porte li dans l'année 1987. Fok mwen di nou, Asco rete yon ti res construction qui existait l'entrée pleine de qu'il les sac. Recherche chaque présentation. Figaro France. Écoute plus ça dit là. Teleco, c'est une compagnie téléphone qui vient ici sous domination télégraphe terrestre 16 mai 1927. Sous président Louis Bonneau, c'était monsieur A. Arthur Gwen qui était directeur général. Non, ça a arrêté pendant des années, jour 2 juin 1969. Côté yon tap kal passé, non, hein, by télécommunication d'Haïti. Date qui marque période administration canadienne, non, qui te dire 3 l'année. Sorti l'année 1968 pour arriver 2007, ça va être 39 l'année service à la population haïtienne. Recherche à présentation. Kazigao Figaro, n'écoute plus ça dit. Nous tournons encore après fin la vie sur image Jacques, yon pile bon bi ancien entreprise qui te konn bay service avec population, service et qui jodi a manke nou. Kounye a ce moment pour nous passer dans deuxième rubrique là qui c'est un rubrique qui est extrêmement important qui c'est SOS. Dans rubrique SOS jodi a invité nous à tomber yon reportage que l'écoute plus ça dit là à côté pour nous sur stade Silvio Cato. On a le suivre. Depuis quelque temps, en pile monde qui gagne bon jeu qu'a constaté celle grand stade pays d'Haïti a tourné un bon marché public. Ak station transport toute plimay. Avant d'aller plus loin, on fournit j'ai regardé stade Silvio Cato. Si nous avons fait une radiographie de stade Silvio Cato, stade Silvio Cato, construction faite dans l'année 1953. C'est sous président Paul Eugène Magloire. Stade ça, c'est un stade qui a une pelouse artificielle. Il a une capacité pour le kembe 20 000 moun. Faut que nous disions, stade Silvio Cato, li pote non yon athlète haïtien qui te rive pren médaille argent dans Jeux Olympiques 1928. Athlète haïtien ça te gen pour non Silvio Cato. 12 janvier 2010, incident tremblement de terre te rive frappé stade Silvio Cato et mette stade là en état critique. FIFA tapkal avec un film qui c'est un film néerlandais Eldel Grass tapkal réparer stade Silvio Cato mette yon pelouse tout neuf réparer dommage yo et rivé mette stade Silvio Cato tifi on a regardé stade Silvio Cato pour moment n'a parlé là li fait 6 heures du matin. Nous devant barrière qui baille sous
cimetière Port-au-Prince ak bois de chêne. C'est là l'histoire a commencé. C'est bien dommage. Sa premier dit bonjour, c'est un pile fatra mais au thé. Et c'est là nous commençons à faire connaissance avec première station transport qui c'est station pour monde Gibraltar Carrefour. Nous tout connaît depuis l'incident Matissa avec Bicentenaire a commencé. Il y a un pile route pour haïtien qui c'est route pique en coin là. En tout cas, il y a une nouvelle station pour monde Gibraltar Carrefour. J'ai beau verbe la dire, mais il a l'argent, mais il a un gars. Gen gros camionnette, gen petit camionnette. Gen gros bascule, gen petit bascule. Pour moun Gibral Saint-Gide, ak 25 piastres, y a plago Saint-Gide. Même quand, y a botte autant pour s'élè, y a bral jete sab, marché en bas. Transport commun, pas campé. Toujours bon stade, gon l'autre station. Pour moun Gibral, savan pistache, kafou fey, ak 25 piastres, 15 piastres, ya blague ou, savan pistache, ak kafou fey. An fon gade kounia, en face stade Silvio Kato. En face stade Silvio Kato, se yon équipe ti machon, kap détaillé. Détaillé légumes, détaillé tomates, détaillé carottes, détaillé, etc. Le marché ça a eu le marché Salomon. En tout cas, le ouvo et je gade stadio di ki visible là, parmi 25 lot qui invisible. Ou ta ka we, aux alentours, le chargé yon ban ti machan kap promene. Kap promene, toute qualité produit. Produit pour moun ki kon douko, machan saucisse, machan rad, et la triye. En tout cas, nou pa kabliye chauffeur moto yo. Chauffeur moto, tout plimay, fe mi kalao. Sou pral nan sant ville la, ou pa besoin fe ke kase. Son véritable marché public. Très tôt, pas si pas là. Marchand fritaille, pas si pas là. Son réel shop, sous ta envie mette bel radak bel tennis. Yo tout sous place, wap jwenn yo, gen pou tout couche. Gen pou gros pied, gen pou ti pied. Nan entre barrière principale pour moun ki konal nan match. Premier sac fait ou ta ka identifier gen match ou si pa gen match. Son dividal ti machan kap von chiclets, kap von douce tablet ak fritay. Ou ta ka pose yo question. Gen match? Se yo pou di ou si gen boule ka poule ou si pa gen boule ka poule. En tout cas, gen parole mais pa gen diol. M'pa vle n pense ti machan yo mye problème ak nou. D'ailleurs, mi mwa m'pa assez kout. Pour me songer, maman m'si ansi machan redisant. Mais, an fon jugement, ak bon sens. Est-ce que yon sel gren stade visible pour 25 stade invisible? Comme si c'est comme ça pour nous ta traiter? Pour nous ta traiter en marché biblique? En tout cas, si nous gen 25 stades qui sous de l'eau, ça clan maintenant en protéger. Parce que pas gagner d'ici ça sous de l'eau yo, pas faire route cocher. Yo marché public, rete yo marché public. Transport en commun, rete transport en commun. Devant gen stade qui visible là, en fonjan pour nous protéger. Parce que nous pas jamais connaît. Si pas bon l'autre grain 5 doit être long, qui t'a gagné un rêve descend l'autre stade. Mais ça, on met nous, on regarde qui j'en ai protégé.
stade là c'est pas où il c'est pas moi il c'est pas non c'est non pour protéger Kazigao Figaro n'a écoute plus ça dit là allez après une fin tendez reportage sous stade Silvio 14 c'est sûr qu'on est ça a marqué nous et moment arrivé qu'on y a pour aller passer dans aucune chaîne maman causer qui c'est bien yon interview que nous fait avec Emanes Belga qui c'est yon nan et gros poto yon garçon qui était passé dans émission aujourd'hui et qui était avec nous dans quatre rubriques en apprendre il était parlé avec nous sur bonne gouvernance et aménagement territoire et collectivité territoriale on a suivi comment ça t'aille et qui te commentaire et merci continuez partager pour plus pour regarder belle émission ça qui c'est bien calfou réflexion avec mon Figaro France qui pral aider dans rubrique en apprendre on a apprendre ensemble. Bonjour tout le monde, c'est la réflexion qui entre la caillou, émission qui là pour aider ou bien comprendre les quelques thématiques qui non seulement aider ou comprendre thématique yo qui fait ou et revivre quelques moments qui ont porte que j'en revivre. Donc émission Kafou réflexion entre la caillou avec rubrique on apprend. Donc m'a invité nos petites chaises ba nous. Nous pral apprendre ensemble, nous pral non seulement apprendre, nous pral comprendre et ensemble nous pral joindre des solutions avec des questions. On pense c'est important qu'on y a pour nous prendre un coup de pause, les tourner, n'a présenter nous invité que on a gain dans rubrique en apprendre dans cadre d'émission Kalfou réflexion. Zamim, ou mais qui y a problème photoshoot, sérigraphie, vidéo et recording, pas ben t'as tout problème pour ça. VIP Production Haïti, vini avec solution. Les affaires photo, sérigraphie, vidéo et recording, eh bien, VIP Production Haïti, c'est référence là. Oh oh, zéro pour quoi fini, ça pi belle là, oh pour quoi connaît. Li mette campé, yon média en ligne qui c'est VIP TV Network pour servir tout pays. Rale téléphone, numéro c'est 33 56 53 30 31 39 94 50. Mi adresse Delma 33, rue Rao Prolongé, numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là. Est là. Lisa est encore pour toutes tes amis taille émission La Réflexion. La réflexion c'est émission qu'a présenté toujours par Figaro France dans cadre émission jodi a jam te dit tout à l'heure nous pral apprendre dans cadre rubrique en apprendre avec un portoïque garçon que nous gagne jodi a comme invité à c'est bien Delga Emanes ensemble nous pral parler de une thématique qui vraiment intéressant c'est gouvernance locale et puis aménagement territoire à collectivité territoriale. Bonjour, bonsoir, Emanes. Comment allez-vous? Bonjour, Figaro, et bonjour, tout auditeur, auditrice, et fidèle émission Réflexion et Chimie Réflexion, mais la Réflexion. Je suis content d'être avec vous après-midi ou bien matin, et pour que nous discutions, pour que nous battions bouche sur un ensemble de thématiques qui est intéressant en fonction de l'atrocité du pays d'Haïti à connaître aujourd'hui. Oui, Jean, autorité de garçon Emanes Sodino, nous avons un cas d'émission. Jean Sodino, la co-réflexion. Ensemble, nous allons réfléchir autour de une thématique qui est intéressante. Et donc, avant de démarrer, pour vous inviter à l'émission, la co-réflexion, qui est Emanes même? Bon, et finalement, et comme là, c'est bien dit, un professeur Louis Stahl, professeur de l'université de l'UEH, le commencement n'est pas toujours. Commencement, ça veut dire commencement toujours difficile. Donc, pour me dire qui est espagnol, et moi c'est un monde, et moi c'est un haïtien qui fait dans la province, qui grandit et dans la commune de Balais, plus précisément de la deuxième section communale de Sarrazin. Et côté qui me passe toute étude de primaire, moi, après moi descendant dans la commune de Balais, et moi fait toute étude, reste étude classique. Et après mon descente, et mon rentre à l'Institut français en Haïti, et
côté qui me passe 3 ans, moi j'ai un diplôme en A2+, et puis moi j'ai un niveau BD+, et après j'ai entré dans un concours qui était organisé par une université en Haïti, où il est INIM 2004, dans le département centre, mais qui était organisé dans 5 départements de pays. Hein. Moi j'ai été effectivement composé dans le département agronomie, donc moi j'ai rentré à l'université INIM 2004, moi j'ai passé 3 mois dans l'agronomie. Et après, dans la même année, j'ai été proposé pour l'école normale supérieure et à l'UIH. Moi, j'ai été à l'école normale supérieure, côté qui était quitté INIF parce que nous n'étions pas dans la même direction. J'ai été obligé d'entrer pour Port-au-Prince, d'étudier et philosophie à l'INS, l'école normale supérieure. Donc, dans la même année, et dans l'année 2018, j'ai été dans l'année 2016, face avec une coupure par rapport avec des bouleversements de pays. Moi, j'ai rentré à FDSE, Faculté de droit et des sciences économiques, de Port-au-Prince. Moi, j'ai rentré dans l'année 2018. Moi, j'ai joué dans mon lauréat et concours après ça. Et après, j'ai passé à l'étranger tout, dans le pays Bahamas. Moi, j'ai fait 2 ans, 6 mois. Et après, moi, j'ai tourné dans le pays et continue à vivre. Et nous, là, et puis, j'ai regardé comment nous sommes capables de réfléchir sur l'ensemble des problèmes du pays d'Haïti. Ok, et Fan. La réflexion, j'aime te dire déjà, nous allons faire la parole sur la bonne gouvernance. Et on commence avec qui est la bonne gouvernance dans même MNS. Bon, et généralement, si on parle de bonne gouvernance, alors pour nous parler de bonne gouvernance, nous n'avons pas qu'à quitter la question de la politique, et puisque, de la Grèce antique, c'est là qui héritait de la politique, la philosophie là et d'autres choses. Maintenant, pour nous parler de la bonne gouvernance, ça a reflété une question de la politique. Donc, puisque la politique, c'est la bonne gestion de la cité. Et bien, pour nous dire bonne gouvernance, c'est toute manière, ou bien toute manière nous fait pour que nous satisfions la population, toute manière nous fait pour vivre avec un bonheur humain dans une société. Oui, on continue dans l'aménagement territoire. Sans aménagement territoire, même. Bon, et je pense que pendant la réflexion sur la thématique qui est gouvernance locale, ou bien aménagement territoire, et puis on dit collectivité territoriale, alors il y a une transversalité. Ça veut dire qu'il y a une complémenté l'autre. Et ça, c'est pour me dire ça, c'est pour me dire la question et aménagement territoire. Là. Donc, pour que ou gagner une bonne gouvernance, maintenant, il faut que vous gagnez un territoire qui, et nous avons dit, dans un sens qui est normal parce que lorsque vous avez un territoire qui n'est pas administré et bien, qui n'est pas gagné une bonne gouvernance, maintenant, on ne peut pas parler d'aménagement de territoire. Maintenant, pour nous gagner aménagement de territoire, c'est un concept qui est venu au 19e siècle, et côté que vous avez établi et causé ça dans la question de la forêt, de comment pour gérer la forêt. Et au 20e siècle, il y a un cas de figure qui est large, il y a essayé de garder comment il est capable d'établir sur tout le territoire. Là. Et il nous dit aménager le territoire. Aménager, ça veut dire c'est gérer de façon à ce que l'être humain lui joigne un bonheur. Comme je disais tout à l'heure, être humain, lui, sentir, lui, normal, mais lui, dans la confortabilité. Et lorsque être humain dans la confortabilité avec tout bon ensemble de gestion, ou bien, ça nous a la bonne gestion, maintenant, nous allons avoir un aménagement, nous allons avoir un territoire qui est amélioré et qui est efficace comparativement avec la suivi humaine. Et nous continuons toujours dans le même lancé, un cadre pour l'aider et internautes, nous avons regardé l'émission, la co-réflexion. Qui vient comprendre l'ensemble de thématiques que nous avons bien pour nous traiter là-haut. Et l'un à l'autre, qui est la collectivité territoriale là-haut? C'est assez intéressant. Les camarades, les collègues, les formateurs, les formateurs dans la question de leadership, de la formation de suivi dans l'étranger. Alors, pour nous parler de la collectivité territoriale, c'est notre affaire, et surtout en Haïti. Et puisque la Constitution 87, donc en face avec la rupture de la dictature, la
Constitution de 47 dans l'article 61, là, c'est bien dire que eh bien, la collectivité territoriale, eh bien, c'est une façon pour que yo capable gagner des bonnes gestions à travers le pays. Ça veut dire que ça, eh bien, c'est un organe libéral, comme quoi yo décentralisé le pays, ou bien dans tout état unitaire, eh bien, la collectivité est primordiale. Et c'est pour dire que ça, lorsque nous parlons de la collectivité territoriale, eh bien, nous parlons de décentralisation, ou bien nous parler de la collectivité locale. Ça veut dire, ça, il fait à travers, et bien, c'est une forme de pouvoir dans l'État central, là. Donc, c'est une forme de pouvoir dans l'État central, là. Et l'État, et bien, ou bien, t'as pas dit, et forme, et pouvoir, ça, lit indépendant, ou bien, lit autonome face avec la gestion et du territoire. Zanita, la co-réflexion, aux gens, t'es dit, depuis le début, n'a pas vivion, moment côté, nous besoin ensemble et dialogue ça ou bien la parole est sous ensemble de thématiques ça aménagement territoire et bonne gouvernance et nous gain et collectivité territoriale Emanes sans penser dans proposition comme ça une proposition et que tu as remplacé deux chambres les dit des chambres députés avec chambre sénat par un conseil qui a bien la donne Kazek avec Azekio. Sans penser à une proposition comme ça. Bon, même très prudent, c'est comme si après la mort Socrate, on est en garde de philosophie en cas de ça. Platon était vraiment prudent face avec des mauvaises pratiques de la société haïtienne. Comme on dit, qui ça me pensait? Mais qui ça me pensait, il n'a pas une idée. Oui. Et alors, pas de dire. Moi, je me pensais, écraser des chambres pour venir avec le conseil. Du magistrat, tout ça. Et si nous avons regardé fonction parlement, alors le parlement lui-même, c'est. Mais juste avant, continuez à regarder le parlement avec yeux tout le monde, les analystes, à regarder le parlement là. Oui. Est-ce qu'en réalité, chambre sénateur, chambre député, est-ce que en soi, vraie utilité ou bien vraie responsabilité ou t'as gagné envers société, ça, est-ce qu'il va accomplir? C'est dans le cas de ça, on t'a parlé si, y a une proposition pour t'a remplacer ces deux chambres-là par un ensemble de magistrats Kazek pour faire travail qui t'est refait là, comment t'as une proposition comme ça? Bon, finalement, même moi, j'ai une ambiguïté. Alors, j'ai une ambiguïté, c'est cela dire, craser le parlement pour remplacer par magistrat, il n'y a pas une même fonction. Donc, on a, si on crase, il n'y a pas une même fonction, il n'y a pas de problème. Puisque, là, on a regardé le parlement ou le pouvoir législatif, le Sénat, il participe dans l'élaboration, ou bien construit loi pour le pays, et puis il participe avec l'exécutif à construire le projet pays. Or, là, on a le Chambre de Bassa lui-même, il a pour le porte-parole. Population à aller et puis pour faire ou bien t'as pas dit mettre loi en fonction du problème. Maintenant, magistrat eux-mêmes, comme étant qui là, j'en ai parlé de collectivité territoriale, hein, qui là pour garder développement, eh bien, qui en dans communauté yo et eux-mêmes autonomes. Ça veut dire, yo, et c'est ça nous va dire, en dans tout l'état unitaire yo, yo gagner une autonomie. Ça veut dire, yo, à part de l'État central. Ça veut dire, yo, son petit l'État en dans l'État. Et c'est ce qu'on a dit. Et t'as pour petit m'a casé, yo, qui seront président en miniature. Comme quoi, qui gagne propre, et t'as dit, et pouvoir exécutif. Ça veut dire, yo, là, yo, capable. Non seulement. Parce que, yo, n'a pas qui pose problème d'eau. Ça veut dire, là, ici, nous problème de formation. Et c'est ça fait, vient poser un problème d'intégration. Nous avons un problème de monde. Et bon, c'est ça qui prend le bail, toute réflexion, et c'est une carte quasi parlement pour nous venir avec ça. C'est le problème de monde. Le monde, est-ce que c'est un cadre intellectuel ou bien un cadre de responsabilité? Si. Bon, voilà. C'est comme si, même regarder là avec mon yeux philosophique. Soit c'est l'homme du monde, c'est pas comme si on est humain qui a une masse de viande, qui anime de l'eau, mais c'est un monde qui. Après, je pense que nous n'avons pas qu'à blaguer pays à la main, il y a des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Maintenant, pour que
nous venons, j'aime d'abord dit à la contourne 70 ans, c'est gagner le parlement, ou le cas du parlement. Donc, vous n'avez pas la même fonction. Si vous n'avez pas la même fonction, c'est donc ça qui va poser problème. Donc, même pas, ouais, craser le Sénat, ou bien craser le parlement, c'est, eh bien, gagner des mondes, ou bien, dans tout espace qu'on a mis des mondes qui vous disent, c'est gagner des mondes, des vrais mondes, pour réfléchir en fonction de, et ça, ou bien, comme responsabilité, et laisser ça, on a, nous va finalement gagner de, et, d'abadie, et secteur de pays, hein, les parlements qui parlent, ils fonctionnent effectivement en fonction de, et pour un projet de société. Et puis, nous allons gagner, Kazek, qui gagne, parce que l'un pas le Sénat qui est situé dans le sang, mais tout problème que nous avons dans les sections communales, dans les communes ou bien dans tout département, donc, député pas capable de réfléchir sur c'est chaque Mounio est dans la place et en fonction des compétences ou bien en fonction de ça ou gagné comme matière grise, en fonction de ça ou gagné comme compétence. Donc c'est pas casé, c'est là pour moi. Donc ça c'est ma position sous question casé Sénat ou bien remplacé par la Chambre des députés ou bien casé Sénat ou bien le Parlement en soi pour remplacer ou par les magistrats qui pour remplacer. Donc ça il va poser un problème de député. Et aujourd'hui, si on a regardé le monde, c'est pas comme quoi nous on a évolué dans vase clos, mais c'est garder comment nous capter la compétence en valeur et pour que nous gagnions un projet de société. Quel avantage économique et position géographique bien géopolitique Haïti dans Caraïbes là t'a capoté? Non, et qu'est-ce que ça me t'a regardé? C'est comme si Haïti aujourd'hui avantage nous capoter dans question Caraïbes là et c'est garder comment nous renforcer nous de manière interne. Ouais, là parce que position géographique Haïti ou bien géopolitique Haïti en dans Caraïbes économiquement qui avantage ouais et t'a capoter non seulement pour Haïti mais pour ensemble Caraïbes surtout dans Caraïbes pas pas dans les mondiales. OK. Alors, qui avantage nous apporte? Et j'aime se dire à ma prétendue d'indire. Donc, aujourd'hui, après toute analyse que nous fait de situation économique, environnementale et culturelle des pays, hein, et nous, c'est un marché côté que nous écoulons des produits. Par exemple, si nous prenons du Dominicaine, nous prenons de l'autre pays, dans le Caraïbes, hein, c'est le principal marché côté où écoulons des produits. Et nous, par contre, quand réfléchi ou bien qu'a dit, jour et jour d'un, nous avons avantage économique ou bien nous capoter. Donc, si effectivement, une possibilité, je veux bien dire, c'est renforcer nous de manière interne. C'est comme si, renforcer nous, et j'aime d'abord dire, garder comme un cas une bonne gouvernance, garder comme un cas une collectivité qui est forte. Et pour nous dire collectivité, par exemple, pour une autonomie, effectivement. C'est pas un député ou magistrat majeur, c'est pas un sénateur magistrat majeur pour exercer plan de développement, mais les deux bons cabinets, les deux bons secrétaires personnels, les deux bons cabinets, ensemble des cadres de zone pour réfléchir le plan de développement et de la section communale ou bien du pays. En soi, et laisser ça, nous prenons capable de produire. C'est d'abord la question. Et pour que nous ayons un avantage économique, il faut nous produire. Si nous ne produisons pas, c'est pas en production de manière agricole. Entrer dans le agricole, c'est pas ça seulement. Mais recherche la fait comme étant intellectuel, il faut par année nous avons produit, il faut nous garder qui s'en cabaille de manière intellectuelle, qui s'en cabaille sous l'autre forme et qui peut renforcer économiquement. Donc si mal l'étranger, et bien Figaro écrit un texte sur le PIB, on recherche une revue scientifique. Maintenant, on a dit bon, on a l'île. Et puis, et ça y a permis de rentrer l'économie. Est-ce que je dis, par rapport avec tout sous-analyse, bon, pays d'Haïti comme un pays sous-analysé, et face avec tout ça, nous gagnons comme malaise au niveau de la politique haïtienne, est-ce que nous avons dit, nous avons avantage économique? Donc, nous parlons d'avantage économique. Donc, comme proposition, c'est renforcer nous de manière interne, en conscience et nationale, pour que, et bien, effectivement, nous sommes capables de gagner un avantage économique, mais aujourd'hui, nous n'en avons pas. Ok, position géopolitique Haïti, qui désavantage l'hypothèse pour Caraïbes là? Désavantage l'hypothèse pour Caraïbes là, c'est que, j'aime dire, nous pas de responsabilité non. Est-ce qu'on a parlé d'une position géopolitique? Donc, on pense qu'il faut nous garder ça très bien.
Parce que quand on a parlé d'un avantage ou bien géopolitique, il faut que tu fasses, il faut qu'on ait l'État fort. Il faut qu'on ait l'État pour qu'il cap discuter. Parce que généralement, nous positionnons-nous en deux cailles blancs, nous ne rien. Donc, deuxième chose que nous regardé, nous avons un passeport qui est le président et Jovenel, eh bien, sorti un décret pour que nous gagnions un passeport qui fait sous communauté caribéenne. C'est ça. Ça veut dire, nous, guérissons pour que nous allions tout cas, sans visa. Est-ce que c'est vrai? Non, du tout pas. C'est comme si, face avec mauvaise politique, face avec mauvaise pratique, que nous guérissons, nous ne pouvons pas arriver là où nous ne pouvons pas traverser. Maintenant, et, là, on a parlé de, mais on pense que nous seulement avons un avantage historique. Quand que, nous, quand on dit, bon, face avec des Haïti payés, mais ça nous fait, et, bon, c'est même les Français parlant, dans qu'est-ce qu'une société, c'est que, pour mon société, faut que mon passé, faut que mon présent, faut que mon futur. Est-ce que Haïti est mon présent? Du tout pas, Haïti pas mon futur, tout. Je n'ai pas gardé là. Maintenant, c'est seulement mon passé. Nous, on regarde de manière historique. Mais sur, au niveau géopolitique, nous, zéro. Il n'y a pas d'avantage. Parce que, qui ça, là, même la République Dominicaine, maintenant, regardez ça, en fait. Mais même, moi, c'est avant de voyager. Mais allez, bien, allez, moi, quand tu étais au plan. Et bien que, et si on a parlé des droits internationaux, des rapports entre l'État ou bien entre l'État, yo. Maintenant, les droits internationaux sont droits publics externes, mais sont droits publics et les nouvelles constitutions qui sont droits publics en fait internes. Mais toute décision politique, yo aller dans en question volontarisme. C'est des pays qui consent, mais si nous avons un État fort. Ne pas capable parler de questions stratégiques géopolitiques, c'est nul, nous nul maintenant. Ne pas capable parler de avantages économiques puisque nous sommes pays capables de voir seulement qui pas produit et puis tout le monde. C'est absurde pour qu'on parle de. Et fan internaute la réflexion, j'en te dis déjà, n'a pas recevoir un autre garçon qui c'est Delga Emanes. Dans le cadre de thématique aménagement territoire, gouvernance locale et collectivité territoriale. Qui sont pensés de dernier incident qui est là, c'est incident côté et c'est le même décidé de monter une barrière pour séparer le frontière lui-même à Haïti pendant la fait ensemble de procédures ou bien démarches. Il y a une portion terre. Surtout dans un bloc Malpass, qui pour Haïti, il décide, pendant la montée barrière, il décide de porter aller ensemble de Terre. Qui décision, et dans cette bonne gouvernance, qui t'a loué, il t'a loué dans le cadre d'une situation comme ça? Bon, et son réflexion comme quoi, la partie qui est assez intéressante, lorsque nous connaissons, et j'aime dire tout à l'heure, tout conflit qui existait depuis lors de la civilisation, par exemple, c'est pas Mésopotamie, et deuxième fois de civilisation avec l'Égypte, tout le Sahara, mais tout conflit, majeur de conflit, c'est au niveau terrien, comme si c'est une question territoire quoi, qui produit. Maintenant, qui sait qu'on résout la raison? C'est la force. C'est comme quoi, c'est non seulement on entend nous. Par exemple, on a mais qui fort, on l'État, on l'administration et qui fort, laisse ça au bal cavale pour côté des résultats. Moi-même, je suis ça quand même. Moi, je vis Belader, qui c'est ville pour des papas. En fait, moi, malgré moi ça, il y a une clôture en équipe terre, soit des cailles sales, pour y venir net côté, nous gagnons en station police, et c'est nous, je crois qu'il a. Mais, l'État, il ne sait pas, je ne dis rien. Ou non, même moi, c'est jamais dire. Ou pas par gagner un droit international public qui réglait la base. C'est seulement l'irrité pour renforcer tes taux, pour dire effectivement, ou garder comme on gagne l'État qui fort, qui prend des décisions. Même l'État, un tribunal international qui prend des décisions, mais nous avons besoin de manière volontariste. C'est pas des bagages qui sont effectifs, comme si qui va dire bon, oui, ou réglé. C'est des bagages qui sont fixés. Maintenant, et penser c'est l'État ici. L'État ici, ou bien à travers du monde qui est dans l'administration de l'État. Des gens qui sont conscients que il y a un dépassement des soirs qui lui fait
pour que nous gagnions un territoire qui est respecté. Parce que même fonds de loi sur l'État haïtien, même de rentrer dans la facture de loi et des sens économiques de province, et moi, l'État, son État, non, non. L'État n'a pas jamais assumé responsabilité, effectivement. Donc, est-ce que vous pensez que, bon, même tout, je dis ça, dans le cadre que gagne en absence de l'État, c'est la responsabilité de chaque citoyen. Mais est-ce que vous pensez, moun bela de sel, moun bien, moun mal, parce qu'à algoumé pour résoudre le problème qui gagne au conseil parce que Dominique a prêté. Non, du tout. Mais, faut gagner en l'État, qui, effectivement, capable de comprendre que, mais, nous avons une population pour satisfaire, nous avons un territoire à surveiller, mais voilà comment nous sommes capables d'établir des conditions normales pour que nous gagnions, ben, pour que nous ne pas piéter sur ça nous gagne comme territoire, ou bien sur ça nous gagne comme étant un pouvoir moral, ou bien comme si symbolique. Mais voilà. Mais est-ce que nous sommes capables de dire, nous ne pas sur calme, mais pas calme. Même penser ça n'est pas logique. Qu'on a c'est garder comme on peut renforcer tête toute sa base là et résumer avec renforcer tête de manière interne, garder comment nous capable mettre des monde qui intègre des monde qui gagne en volonté nationaliste et mais pour que garder comment nous capable résoudre ensemble des problèmes qui viennent de là mais sans ça. Désolé. Et n'a pas un coup de pause dans cadre d'émission nous qui c'est bien émission la co-réflexion n'a tourné pour nous continuer et fait la parole ça sous aménagement territoire et bonne gouvernance et collectivité territoriale. On propose d'abonner. Zamim, ou mais qui a problème photoshoot, sérigraphie, vidéo et recording, pas bête t'as tout problème pour ça. VIP Production Haïti, vini avec solution. Les affaires photo, sérigraphie, vidéo et recording, eh bien, VIP Production Haïti, c'est référence là. Oh oh, zéro pour quoi fini, ça pi belle là, ou pour quoi connaît. Li mette campé, yon média en ligne qui c'est VIP TV Network pour servir tout le pays. Rale téléphone, le numéro c'est 33 56 53 30 31 39 94 50. Mais adresse ça, Delma 33, rue Rao Prolongé, numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là. Nous tournons après pour Zan en cas d'émission La Co-Réflexion. Nous avons comme invité nous. Elga Imanes, qui a fait ensemble avec la parole sous aménagement territoire, bonne gouvernance et collectivité territoriale. Et sans penser de causer la navaz là. Première question sur causer la navaz là, parce que son dossier, son question qui est pertinente. Juger tout qui m'a dit un ensemble de réponses avec qui était en autre. Est-ce que espace la navaz là est pour Haïti? Ou bien li pa pou Haïti ou bien li pou Haïti même quand pa sou et l'obédience haïtien et question ça moi j'aime en pile li parle en pile camarade sou li et généralement la Navaz li fait partie des 6 îles adjacentes qui nous viennent de pays et même pas vrai prononcer moi en pile fois on parle à camarade moi sous et on paquet parole qu'a dit la Navaz sous contrôle et dit de leur pays. Alors juridiquement parlant et d'a dit mais géographiquement parlant la Navaz fait partie de Haïti. Ça c'est ma réponse oui. Donc il est toujours pour Haïti bien que j'aime dit sous dit dans la conflit ou bien qui gagne compartiment avec ensemble des potentialités qui gagne la question et territoire et d'a dit haïtien comme quoi nous avons paquet de côté qui gagne de potentialité qui gagne des mines mais gagne des conflits et tout n'ta ka dit si pour un texte c'est avec Anaret crise de la culture qui a entré et ben bataille qui gagne ou bien après deuxième guerre mondiale parce que l'étape expliqué le 20e siècle c'est et toute une bataille pour question et ben n'ta ka dit c'est une conquête spatiale. Comme si c'est pas comme si j'avais pensé, comme si c'est une bataille, comme si effectivement pour les sous-mondes, mais c'est une conquête spatiale pour que, et il a essayé de garder des idéologies politiques. Mais aujourd'hui, nous regardons avec le néo-capitalisme, c'est des purement physiques pour que vous voulez prendre des côtés estimés qui gagnent des réserves, mais d'à dire qu'ils sont mines de l'eau. Et pour me répondre, la Navaz était pour Haïti,
et généralement pourquoi gagner de décret de le bagaille qui était pour Haïti bien que même gagnant on réfléchit sur Haïti ça on a fait avec maintenant le Providence c'est nous qui m'a suivi et qui après occupation américaine c'est le contexte ça que dans cette Belgrade c'est occupation et ses conséquences qu'a essayé montrer avec côté que l'occupation américaine écrasait toute institution de l'eau et la première et à l'occupation américaine là mais pour garder comment ils sont capables d'exploiter nous donc ils dit toute île yo yo appartient à l'état toute île qui dans les pays aussi il adjacent yo yo appartient à l'état avec tout le monde qui effectivement dans île ça yo pas y accès avec nos propriété et privée donc c'est des bagages l'état mais pour qu'on ait une décision qui soit dit, qui dit et la navazli pour américain comme j'en ai entendu dire c'est des monde qui convoitise le territoire ça mais li était un territoire haïtien et même n'a pas dit et toute l'autre bagaille qui a dit sur question île là c'est des bagailles comme si dans l'air mais li était un île haïtien et géographiquement et juridiquement parlant qui pour qu'on ait des bagailles qui sorti qui dit mais nous avons 5 ou bien nous avons 4 jusqu'à maintenant nous avons 6 îles adjacentes qui c'est la Navas qui fait partie des îles ça et qui était pour Haïti donc ça veut dire qui pas aller avec à l'encontre de Haïti qui était pour Haïti et toujours dans le cadre de chercher comprendre quelques bagages parce que dans le cadre de la Navas là est-ce que nous avons dit si une mauvaise gouvernance qui l'a causé pendant la Navas sur territoire, li pas sous dépendance, l'État haïtien ou bien, et moun ka gouverne l'État haïtien. Est-ce que nous avons dit ça? Bon, moun te kwe ke li sous dépendance l'État haïtien. Alors, j'aime ta dit tout à l'heure, j'en sou dit la tout de ka gade ça, mauvaise gouvernance, et choix que nous fait yo, et permet que nous y ait du moun qui pa gen monité en la caillou comme quoi en fonction des intérêts personnels en fonction ça n'a rien la compromission c'est pas compromis et qui fait que nous capable gagner des mauvaises gestions en fonction de territoire mais et pas écarter possibilité même à tout ça prudent la prudence c'est une chose c'est une bonne chose dans les affaires et il a lié toujours pour nous capable toujours bien mauvaise gouvernance sur lui, mais il était pour mon territoire haïtien. En Algadé et il a vache. La question il a vache là, et surtout en matière territoire, bien pile dit, cap dit sous en pile les rumeurs d'Akaré, parce que depuis au pas prouvé, c'est des rumeurs qui courent sous le territoire ça qui c'est il a vache, que même ça t'a qui bon, t'a semblé passer. Dans la base, sur route rivée de la vache. Si c'est à vrai, qui élément de proposition pour ta ka bail, comme et moun ka fait réflexion là sur une bonne gouvernance, pour ta remédier nous à la situation? Et, sur la situation de la vache là, alors c'est sous président Madeli, dans l'OTI, il y a une volonté pour qu'ils soient transformés dans un paradis fiscal. Par exemple, si on prend le Singapour en Asie, et si on regarde dans la classe de l'État, on parle de bêtises, de cadavres. C'est des espaces qui produisent une économie très avancée, très rapide, et puis qui viennent dans un paradis censé, dans un paradis fiscal. Et aujourd'hui, qui Singapour, le Singapour qui est responsable d'un paradis et économie presque économie asiatique. Maintenant, est-ce que c'était, j'aime tout ce dada, il y a ce qu'on appelle compromission et compromis. Et compromission, c'est des barrières qui ont un intérêt anti-clic. Mais l'un de parler compromis, c'est des barrières qui visaient l'intérêt de la collectivité, un intérêt collectif. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté effectivement pour faire ça soit un paradis fiscal ou bien est-ce que c'est des gens qui ont des avantages comparativement avec fraude, comparativement avec des mauvaises fois, mais comparativement avec de ça produit comme corruption, ou bien, et, t'as pas dit,
et mauvaise gestion en dans communauté haïtienne qui vient faire gagner des étrangers qui profitent de ça qui t'a capofrio de bagaille dans intérêt ou bien qui pour aller à la compte de pays. Parce que est-ce que c'est une bonne décision? Non. Est-ce que aujourd'hui il travaille tout sentier bah ça va marcher. Maintenant penser comme proposition c'est toujours on est à faute côté qui pour nous gagner de monde dans le parlement qui non seulement a élaboré des lois en fonction de ça nous pas cadré mais qui pour faire appliquer aussi parce que lundi pour faire appliquer nous gagner monde dans le parlement et en bas qui garder qui sont là qui mettent en constitution mais nous gagner et des conseils donc le pouvoir judiciaire qui a interprété la loi et ben qui pour effectivement garder comment nous travaillons en collaboration pour mettre en application et puis effectivement pour gagner une bonne gouvernance et les ça si nous gagner pouvoir judiciaire bon ça sont l'autre problème parce que y a pas pouvoir vrai parce que y a pas élu c'est le président qui garde comment il garde le gérer on bagarre les météo de nous pas pouvoir effectivement et les ça les nous bataille ou bien nous conscient et bien la jeunesse ou bien et tout le monde dans la communauté conscient de bataille pour que nous gagnions pouvoir dire ça qui en place et puis qui garde autonomie et pas dire qui part collaborer mais qui garde autonomie et puis les ça nous parlons on parle de qui a fait travail normal on pouvoir dire ça interpréter loi de manière effective les ça nous parlons on bonne gouvernance et les ça nous parlons tout temps et nous pas à penser tout en développement nous pas à penser en aménagement territoire sans territoire ça parce que il est capable effectivement produire et même d'arriver en développement et effectif par rapport avec ça n'a qu'à penser comme projet de société. Est-ce que ça arrive pour qu'on ait des questions capées et tourner dans tête ou qui ont besoin des éléments de réponse avec ce responsable si pas ça et proposer et bon élucider pour nous quelques questions ça. Bon généralement d'arriver il y a une multitude c'est comme si c'est sous barre qui est fini parce que chaque question, il y a vini avec des réponses et chaque réponse a suscité d'autres questions. Maintenant, le premier bail qui vient dans la tête, moi, après le voyage, par exemple, avant de voyager, on a fait deux facultés à la fois, et d'estimer que nous avons un problème monde en Haïti. Ça veut dire que pas penser monde. C'est comme si et tout, bon, c'est là qu'après même avant et notre indépendance, c'est mon dichotomie. On dit qu'on a côté que ancien libre, nouveau libre, et qui va venir bas, il y a une division territoire, il va venir Grand-Anse, il va venir Nord, il va venir Sud, il va venir tout. Il y a tout un package sous question ça. Il fait que nous pas analyser. Mm-hmm. Si nous pas analyser, et c'est ça qui a bâillé le monde de résultat ça aujourd'hui. C'est qu'on a, même question à poser, comment, dirigeant nous capable d'arriver, mettre l'homme au centre de toute chose, comparativement de la société haïtienne. Comment nous capables d'un projet de société? Et pour nous, un projet de société, ça, c'est dire comment nous capables de rétablir une conscience individuelle. Une conscience individuelle. Moi-même, on prend, et de l'autre, on prend, et puis nous agissons. Mais c'est comme si, moi, je ne viens pas être comme une demeure utopie. C'est comme si, là, me dit, voilà, et, à voter tellement pour arriver à résoudre le problème. Et on a commencé à avoir des tournements, des contradictions comparatives avec la communauté internationale. Et la communauté internationale, c'est ça le même. C'est gagner de monde qui parle droit pour atteindre l'objectif. Comme proposition, les gens qui à l'étranger, ils ont gardé un petit bout de l'envers. Ils ont vu des bateaux croisières, des bateaux sur l'Europe pour visiter l'envers. Et c'est quoi pour nous faire? Et quand nous sommes en Haïti, nous avons des bagages en abondance. Et nous parlons qui volonté de gagner effectif pour que nous arrivions à faire Haïti venir pour ça. Le premier bagage, c'est comment nous arriver avec une conscientisation. Ça, c'est un. Ça veut dire comment nous arriver avec une conscientisation pour que nous avons des gens qui pensent la société. Qui pensent la société, qui pensent le monde. Parce que ce n'est pas une société sans monde. Le capacité de monde et de manière de matière et psychique.
ta pensé mon et qu'on a c'est ça me vient en tête comme préoccupation. C'est pas à regarder de l'autre bagaille comme préoccupation, mais c'est garder mon au centre de toute chose depuis qu'a venir avec toutes de l'autre bagaille comme fenêtre de sortie. Qui dernier mot dans cadre émission ça sous et collectivité territoriale sous bonne gouvernance et qui dernier mot sous dans cadre de première émission ensemble sous et de la thématique ça qui dernier mot. Bon, est-ce que ma modèle est est-ce que ma modèle est ça cette question. Alors et pour émission aujourd'hui hein, c'est et mon tata bien ou bien quitté. C'est et pour moi c'est une conscientisation. Bagala c'est une conscientisation pour nous parvenir avec une société typiquement haïtienne, on va dire une société haïtienne. Parce que généralement pour nous penser le développement, il faut nous penser l'être haïtien. Donc penser l'être haïtien, cela veut dire c'est essayer de garder et dans la culture, dans la mèche, dans tout ce qui est bagaille, comment nous pouvons mettre en valeur. Par exemple, nous sommes en train de travailler avec Marley, c'est garder comme nous pouvons mettre la langue créole, la langue maternelle, pour que pas rien, il y ait un centre de carrière, pour qu'il y ait une égalité de chance. Une égalité de chance, pas rien, on a dit, comme j'ai rabattu la série, pas rien, on a en ville, mais gagner une lettre haïtienne. L'être haïtien, mais à travers de toutes choses, ça la pensée propre, nous disons l'être. Si nous ne pensons pas tête, nous ne pensons pas à penser développement. Nous pensons, dans le cadre de développement local, c'est penser l'être haïtien. Dans tout espace côté, la pensée développement, c'est penser l'être haïtien. Et puis, effectivement, n'a pas capable bien. Qui ça nous capable de penser comme nous? Mais si nous ne comprenons pas tête, nous ne pensons pas comme tête, nous ne pas qu'à penser développement, ne pas qu'à penser rien qui est collectivité territoriale et centrale, aménagement territoire. Et, j'en dis, aménagement territoire, c'est un concept qui va venir à partir de la deuxième guerre mondiale, côté que société défavorisée, et si nous prenons l'école de Francfort, qui prend le garder dans ça très bien, qui prend le venir avec une réflexion côté que nous garder comment nous capables d'établir des nouvelles, penser pour une société en fonction des monde qui le ont tout ça. Donc même là a dit et c'est penser l'être haïtien et puis effectivement n'a pas capable gagner en bonne gouvernance, n'a pas capable gagner en collectivité territoriale qui autonome, je veux bien dire et puis qui dans aménagement territoire qui allait dans le sens positif. Et j'ai été annoncé pour les internautes émission la co-réflexion. Nous te gagnons un gros poteau de garçon avec nous, c'est Delga Imanes, nous t'a ensemble, ouais, et ensemble de thématiques sérieux, bonne gouvernance et aménagement territoire et collectivité territoriale. Donc, Emmanès, un grand merci pour le moment, la parole est ça, pour internautes et réflexion. Donc, dans l'émission, nous le dire, dans le cadre de la rubrique, on apprend, nous sommes apprenants en pile. Donc, merci et nous bon rendez-vous pour l'autre émission, l'autre fois. Bon, et c'est maintenant pour dire merci parce que généralement, nous besoin de paroles ça, et nous besoin yo, et nous besoin de plus jeunes, et même m'a dit un beaucoup de chapeau, mais pour me dire aïe bobo, le fait que nous avons une émission comme ça pour réfléchir sur ensemble des problèmes qui a ravagé la société et qui m'a dit et réflexion, une réflexion profonde, une analyse, et analytique et critique sur des problèmes là confrontant la société et puis pour nous garder comment nous sommes capables de voir cette société parce que nous avons besoin de ça et nous nécessitons ça et un jeune garçon qui décide de lancer une bataille comme ça c'est go bravo la contentement et pas cacher contentement mais pas gagner un mot, un paquet d'émotions et pour me dire mille merci et nous souhaiter que la nature remette tout ça. Donc, continuer la bataille et puis garder comment qu'à avancer et en fonction des réflexions, on a produit sur la société. Oui, j'ai internaute émission La Co-Réflexion. C'était rubrique On apprend qui était entre la CAO et nous pensons qu'on apprend en pile. Donc, et nous allons continuer à apprendre avec RES rubrique. On a beaucoup de pause. On a tourné au sud. Chaque moment ça arrive, c'est un moment qui est triste. Parce que Bral prend congé de nous Bral séparé physiquement. Mais dans l'esprit, étoile, il y a continuité. Parce que c'est une valeur qui compte une valeur. Donc, c'est pour me dire non.
toutes étoiles reconnectées et songer au fait rien parce que ces étoiles. Et c'est dommage que Bral prend projet de nous, mais n'a pas connecté dans l'esprit comme des étoiles. Songer pour ces étoiles. Les moments fait noyau. Arrête ou bien pour briller. Pas quitter le moment fait noyau pour te aller. Songer chaque moment fait noyau arrivé pour dire tête pour ces étoiles. Et songer comme des étoiles. Moment fait noyau doit stimuler ou briller plus pour aller loin. Moi et moi en pile. Que mes rêves pas mouli. À like page là, partagez, commentez. Bon rendez-vous pour l'autre semaine pour une plus belle émission qui a bien plus belle et plus belle invité, plus belle ambiance et qui des commentaires ensemble pour nous continuer faire calfou réflexion. Une plus gros et plus belle émission qui vient sur vous terre. Moi maintenant bien. Que mes rêves pas mouli. Zanmim, ou men ki gen problèm photo shoot, sérigraphie, vidéo ak recording, pa bay tèt ou problèm pou sa. VIP Production Haïti vini ak solisyon. Nan zafè photo, sérigraphie, vidéo ak recording, eh bien, VIP Production Haïti se referans la. Oh oh, zyen pou kon fini. Sa pi bèl la, ou pou kon konnen. Li mete kanpe, yo media anli ki se VIP TV Network pou servi tout peyi a. Rale telefòn nou numéro se 33 56 53 30 31 39 94 50. Mi adresa Delma 33 rue Rao Prolongé numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là.